Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau regroupement. Alors aujourd'hui, nous allons faire trois activités. D'abord, la date. Ensuite, nous allons vérifier si vous avez bien mémorisé le nom des solides que nous avons appris hier. Et en trois, nous allons nous entraîner à compter. Allez, on commence par la date. Alors, aujourd'hui, j'ai colorié les jours où il n'y a pas école en gris. Le mercredi, le samedi et le dimanche. Alors, nous allons essayer de deviner ensemble quel jour nous sommes. Je vais vous aider. Aujourd'hui, commence par le son. Comme maman, et finit par le son i comme hippopotame. Alors, vous avez une idée? Bravo. Il y a 2 jours dans la semaine qui commencent par et qui finissent par i. C'est le mardi et le mercredi. Et aujourd'hui, nous sommes mardi. Donc, on va avancer la flèche sur le mardi. Hier, nous étions lundi et aujourd'hui, nous sommes mardi. On va revoir ensemble les jours de la semaine, tous ensemble. On y va, on récite? Allez, c'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Bravo! Allez, maintenant, nous allons revoir le nom des solides et vérifier si vous les avez bien mémorisés. On y va? Allez, c'est parti, venez. Allez, nous allons revoir ensemble le nom de ces solides, puis nous ferons un jeu. Alors, d'abord, nous allons répéter ensemble le nom, comme hier. Vous répétez avec moi? Cône, le cône, celui-ci commence par P, c'est le pavé, pavé, celle-là c'est facile, vous la connaissez bien, c'est la boule, et celui-ci un petit peu plus dur également, vous vous souvenez comment il s'appelle? Le prisme, prisme, bravo. Allez, on répète tous ensemble. Cône, pavé, boule, prisme. Maintenant, dans le désordre. Pavé, prisme, cône. Et la boule. Très bien. Alors, je vais vous demander de me montrer avec votre doigt le pavé, s'il vous plaît. Pavé. Très bien. Vous avez raison. C'est le pavé. Maintenant, la boule. Facile. Vous avez raison. Maintenant, le prisme. Très bien. Vous avez raison, c'est bien celui-ci. Et maintenant, le cône, cône. Très bien, vous avez raison, c'est celui-ci. Alors, pouvez-vous me dire le nom de ce solide, s'il vous plaît? Le prisme, bravo. Maintenant, donnez-moi le nom de ce solide. Le pavé, très bien. Maintenant celui-là. Cône, très bien. Et celui-ci? La boule. Bravo. On va voir si vous y arrivez si je change de sens. Attention, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Alors, comment s'appelle
Ce solide, s'il vous plaît. Ça commence par le son que. Bravo. Le cône. Pouvez-vous me dire le nom de ce solide? Ça commence par p. Oui, c'est bien. Le pavé. Plus dur. Celui-là. Le prisme, bravo. Et celle-ci, la boule. Allez, on va faire un petit jeu. Je vais les cacher. Attention, fermez les yeux. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, quel solide ai-je caché? Ça commence par le que. Bravo, vous avez raison. C'était bien le cône. Attention, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Alors, quel solide ai-je caché? Bravo, vous avez raison. C'était bien le prisme. Très bien, très bien, très bien. Allez, un dernier. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Et quel solide ai-je caché? Ça commence par le son p. Et oui, bravo. Le pavé. Très bien. Maintenant, nous allons faire le jeu des sons avec le cône, la boule et le pavé. Alors dites-moi, dans quel mot entendez-vous le mot A, le son A? A, est-ce que c'est dans pavé, boule, cône? Bravo, vous avez raison. A dans pavé. Dans quelle forme entendez-vous le son ou? Ou, est-ce que c'est dans pavé, boule ou cône? Bravo, vous avez raison. Dans boule. Maintenant, dans lequel de ces trois mots entendez-vous le son O? Pavé, boule ou cône? Nous cherchons le son O. Bravo. Vous avez raison. C'est bien le cône. Oula, vous entendez bien les sons. Est-ce que vous entendrez le son au début des mots maintenant? Lequel de ces mots commence par le son B? B comme bonjour. B. Pavé, boule ou cône? Bravo, vous avez raison. La boule commence par B. Lequel commence par comme papa? Pavé, boule ou cône? Vous avez raison. Pavé commence par p. Et maintenant, lequel commence par que? C'est le cône. Bravo. Je vous félicite. Nous avons fini ce petit jeu. Maintenant, nous allons nous entraîner à compter. Jusqu'à 10. Nous allons commencer tous ensemble. Vous êtes prêts? Regardez bien. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. On recommence une fois tous ensemble et après vous le ferez seul. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, maintenant, ça va être à vous. Vous allez le faire tout seul. Attention. 1. 30, jusqu'à 30, tous ensemble. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Bravo à tous. Allez, maintenant on va faire un petit jeu encore un peu plus dur. Nous allons commencer à compter, mais après le 3. Après le 3, qu'est-ce qu'il y a après le 3? Deux, trois, quatre. D'accord? Donc, nous commençons à compter à partir de 4. Vous êtes prêts? On commence à 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Allez, maintenant, on va faire encore un peu plus dur. Nous allons commencer à compter, mais cette fois-ci, après le 4. Qu'est-ce qu'il y a après le 4? Juste après le 4. 5. Nous allons commencer à 5. On y va? Attention. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Allez, on en fait encore un petit peu plus dur. Nous allons maintenant commencer à compter après le 5. Qu'est-ce qu'il y a après le 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc nous commençons à 6. Vous êtes prêts? 6, 7, 8, 9 et 10. Bravo. Bravo à tous. On refera cet exercice parce que c'est très important. Ça vous permettra de commencer à vous préparer pour apprendre à faire des calculs, comme les grands. Exactement. Bravo à tous. Le regroupement est terminé. Alors, à partir de 10h, Maître Grégory vous propose une activité de numération. Et à 11h, une histoire sera lue par Maîtresse Aurélie. Voilà. Et moi, je vous dis à jeudi. Bonne journée, au revoir.